Alors, donc je vais vous présenter quelques plantes, comme ça je ne me trompe pas de quantité. Quelques plantes donc qui fleurissent. Alors cette fois-ci je vais faire septembre-octobre parce que j'ai pas pu faire de vidéo en septembre. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas beau. D'une part, et à chaque fois qu'il faisait beau, j'avais d'autres occupations, donc j'ai pas eu le moment opportun pour le faire. Voilà. Alors, donc, je vais vous présenter. Alors, bien sûr, tout le monde connaît les asters en septembre. Bien sûr, c'est chouette les asters. Cependant, certains asters avec la sécheresse, quand même, pendant 3 mois, il a plu qu'une fois tout l'été. Donc avec toute la sécheresse de cet été, certains asters ont été un petit peu pauvrichons. Mais, sauf d'autres, celui-là notamment, je l'aime bien parce que, ben voyez, malgré la sécheresse, alors là il commence à faner un petit peu, mais malgré la sécheresse, il est beau, il est bien, il présente une belle masse, à la fois un bel effet en masse et à la fois très léger. Voilà, ça c'est l'aster cordifolus. Donc c'est vraiment la valeur sûre, l'aster cordifolus dans le jardin. Alors je l'aime bien l'associer avec le sedum herbstern, d'accord, dont je vous avais parlé. À quelle époque je vous en ai parlé? Au mois d'août. Donc le mois d'août il commençait juste à fleurir et là on commence à le voir justement faner. Et bien regardez, même quand il est fané, il est beau. Il est beau et il s'associe encore bien avec l'aster cordifolus. Si on regarde bien le centre de l'aster, et ben, vraiment, le centre s'associe vraiment pile poil au sedum. Voilà pourquoi il s'associe très bien. Alors, on voit bien la différence avec ce sedum-là. Quand on le voit faner, ben, il est moins joli. Alors sa particularité, celui-là, c'est que c'est un sedum clair, il est très beau, c'est un sedum bien rose pâle, mais par contre, il est moins joli quand il fade. Voilà. D'accord. Voilà pourquoi j'aimais bien le sedum herbstern. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter. Donc, je vous avais présenté la carlée rose au mois d'août. Et bien, regardez, elle est toujours là, toujours aussi belle. Voir la vidéo du mois d'août. Voilà. Et je vais donc vous présenter l'anémone, c'est encore une valeur sûre. Voilà, si tu peux te mettre là, chérie. En face, que je parle juste en face. Donc ça, c'est l'anémone japonaise. Laquelle? Celle-là. Donc l'anémone japonaise Pamina. D'accord. Donc l'anémone japonaise Pamina est quand même bien sympa parce qu'elle a des fleurs doubles. Et par rapport aux autres anémones du Japon qui sont beaucoup plus hautes, celle-là est plus compacte. Tu vois, elle est beaucoup plus compacte, plus petite. D'accord. Voilà. Du coup, elle donne un bel effet au jardin. Alors, l'anémone, elle résiste plus ou moins bien à la sécheresse. Je l'ai quand même un peu arrosé, mais si le feuillage fane, ce n'est pas grave, il suffit de le tailler. Vous voyez, je taille moi les feuillages fanés et ça ne l'empêche pas de fleurir. Regardez, il y a plein de bourgeons là qui attendent encore. Ouais. Elle est assez tardive par rapport à d'autres anémones qui fleurissent au mois d'août. Elle, septembre-octobre. Anémone Pamina. Essaye de filmer un bourgeon. Et pas loin. Si tu veux bien la voir, encore une valeur sûre, non pas celle-là, juste derrière, encore une valeur sûre. Elle est jolie celle-là. Donc ça c'est le patoir chocolat. C'est une Eupatorium chocolat. Donc famille des eupatoires. Alors pareil, il faut l'arroser un petit peu quand même, à peu près pareil que l'anémone. Vraiment très charmante parce que elle est d'une délicatesse un peu rosée quand elle commence à fleurir et blanche sur un feuillage pourpre.
Et donc, les tiges sont pourpres tout l'été. Le feuillage est vraiment très beau. Ouais, c'est magnifique. Pourpre, et quand elle fleurit, et ben c'est la cerise sur le gâteau. Donc, c'est très, je trouve, très frais. Avec, tu vois, des sédums encore fanés. Et ben c'est très frais à l'automne, cette fleur blanche. Voilà, et je vais vous montrer donc aussi la persicaire, parce que la persicaire, ce que j'aime bien chez elle, pareil, elle va fleurir jusqu'au gelé, donc c'est des fleurs comme ça lumineuses en cette saison, en octobre. On est le 11 octobre, donc en plein mois d'octobre, c'est vraiment très sympa et très lumineux au jardin. Alors, venez voir. La persicaire, elle est là. Alors, tout en sachant que nous avons eu la sécheresse. Alors bon, finalement, il y a une terre argileuse ici. Ça la permet de bien la tenir. Et voilà. Et donc, je trouve qu'elle est encore plus lumineuse en automne parce qu'il a plu un petit peu, il fait plus frais. Et les épis se renouvellent. Les épis, les pinceaux roses se renouvellent jusqu'au gelé. Ouais, très sympa. Alors après, le feuillage, il va devenir un petit peu jaune, c'est normal. Alors si on la regarde de loin, on voit quand même que... Alors souvent, elle est bien sympa avec une graminée, hein, cette plante. Avec un pénicétum derrière, un miscanthus, qui ont des feuillages orangés à l'automne. Voilà. Donc elle est en fleur depuis le mois de juillet. Et voilà. Donc voilà, je vous ai présenté très rapidement quatre plantes vivaces qui sont intéressantes dans le jardin. Donc je ne sais pas si je referai une vidéo au mois de novembre, mais ça peut être intéressant à l'approche de l'hiver de voir ce qui peut être sympa dans le jardin. Et voilà, et puis ce sera la dernière après, puisque l'hiver... je vais m'arrêter, d'ailleurs je vais fermer la pépinière et j'en recommencerai donc au printemps. Au mois de mars, non ? Oh, peut-être au mois d'avril, on attendra. Alors c'est un peu trop tôt. Voilà. Et bien merci bien, au revoir à tous et à bientôt.